Tu sais, Fifou, quand je vois ton chapeau caca, je te trouve très attirant. Ça me rappelle que nous venons tous, finalement, d'un caca. Fifou, en vérité, tout ça pour te dire que je t'aime. Je t'aime tellement. Oh là là, Fildrong, il est trop con. Il traduit mal un passage épique, du coup moi je comprends pas l'anglais, j'ai rien compris, lol MDR lol PTDR. Yo les trashers, salut à tous, c'est Fildrong, bienvenue dans le nouvel épisode de Pokémon Insurgence. Et aujourd'hui, je me prépare à du temps de souffrance, étant donné que le défi qu'on a choisi pour cette semaine, c'est qu'à chaque fois que je vais avoir un Pokémon qui tombe KO, je vais devoir prendre une petite cuillère de cette sauce au piment rouge Sriracha épicée. Voilà, donc hot chili sauce. Vous savez, les trucs qu'on a dans les restaurants chinois. Donc je sens que ça va complètement perturber ma digestion. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Je me suis quand même permis de me prendre un petit verre d'eau au cas où ça part trop en cacahuète. Et aujourd'hui, donc oui, on était en plein dans la zone, on explore la tour. Je peux pas trop aller soigner mes Pokémon pour l'instant. Et comme nos Pokémon sont bien bien mal en point, je me demande comment ça va se passer, hein, honnêtement. Ah, il m'a captivé, ça c'est pas grave. Allez, on reprend les bons réflexes. Hop, niveau 52. Ah oui, c'est vrai, je peux faire méga évoluer Anus. Bon, je le ferai... Ah, avec Cleaver, alors attends. Cleaver. Alors, on m'a dit, tu peux faire évoluer Cleaver et tout, ça va être mon but. Même si je vous avoue que j'ai beaucoup hésité. Parce que tout simplement, il faut savoir que Insécateur et Cizayox ont les mêmes statistiques de base. Ça veut dire le même total de statistiques, sauf que Cizayox perd en vitesse et gagne en défense. Mais c'est sûrement mieux de gagner en défense et de perdre en vitesse, parce que c'est pas comme si c'était important, je pense, d'être très rapide. Alors, lui, il va être plus rapide que moi, non? Ah ouais, je suis mort. En même temps, je peux... Ah non. Bon, alors, une cuillère pour papa... Ah non. Non mais je mets jamais ça dans... Je mets jamais ça, moi. J'ai une attaque. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Ok, Anus, attaque suppositoire, c'est parti. On va enfin pouvoir faire une attaque suppositoire. Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça, putain? Pourquoi ils ont des Pokémon aussi puissants que ça? Le mec, il a un Crobat et tout. Ça va complètement déranger ma digestion. Oh là là, je veux même pas imaginer les toilettes ce soir. Je vais les boucher. Ah, Fifou, es-tu prêt? Non, pas toi, Damien. On a besoin de prévenir l'augure que le Sky Cult... Oui. D'accord, sinon il pourrait le forcer à invoquer Rayquaza. Je sais que c'est le méchant, l'augure. Bonjour. Oui, monsieur, tout est prêt en haut. Nous pouvons... Bien, bien, bien. Est-ce que c'est pas une vue pour des yeux... des yeux qui font mal, hein? Est-ce que c'est Damien et Fifou de la ville de Telnor? C'est bien de vous voir tous les deux. Mais pourquoi vous êtes là?
Est-ce que c'était pour défier notre champion d'arène? C'est à l'est. Ok. Il est fort en dragon et vol. Bah j'ai Moonblast. C'est bon. Non, non, monsieur, nous sommes ici parce que on a entendu que des membres du culte du ciel étaient en train de parler d'invoquer Rayquaza et de vous forcer à le faire. Trois petits points, trois petits points, trois petits points. On voit pas. Ah non! J'allais dire on voit pas la queue de cheval! Mais on voit la queue de cheval! Non, mec, putain, pas la queue de cheval! Vous avez remarqué d'ailleurs, je suis allé chez le coiffeur. C'est un problème sérieux. Est-ce que tu es sûr de ça? Oui. Voilà. S'il venait maintenant, ce serait grave. Je suis sûr que c'est le méchant. J'espère. Je pensais que ça n'aurait pas à arriver. Ouh là là, mon anglais. Mais ce qui est fait est fait. Venez, gentlemen. Oh merde. Ah bah voilà, je savais que c'était le méchant. Coucou. Ils sont sur mon chapeau caca. Je suis désolé, Damien. Tu étais tellement jeune et brillant. Tu as entendu mes cultistes le dire et je ne peux pas te laisser partir avec une chance que tu connectes les points, enfin que tu fasses le rapprochement. Non, mais en même temps, ça va. Maintenant, t'as fait venir tes cultistes. On sait que t'es méchant. Voilà, c'est lui le méchant. J'ai la queue de cheval. Je suis le leader du culte du ciel avec ma queue de cheval. Ah, tu ne devrais pas être surpris. C'est très évident. Bah oui, ça fait depuis le début que je le dis. Depuis que j'ai vu sa statue en son nom, déjà le mégalomaniaque, j'ai créé le Sky Cult il y a plusieurs années, juste avant que le premier augure disparaisse. On était un petit groupe, on voulait juste le changement. Tu vois, l'augure était le héros parfait pour le peuple. Avec ou pas, il a défaité, Fildron, s'il te plaît. Il a vaincu tous les cultes. Oh là 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 là, oh là là, il a essayé d'amener l'amour et la paix et la pitié, et en ayant de la pitié, il a pardonné tout le monde. Voilà, il a laissé les criminels s'en aller sans être punis. Et du coup, bah ils ont refait un nouveau culte. Bah oui. Je marche lentement parce que c'est très impressionnant. L'augure était fort, mais c'était un lâche. Il n'était pas capable de faire ce qui était nécessaire pour garder la région en paix. Donc je l'ai géré. Je savais que c'était lui le méchant. Je savais et je me suis couronné son successeur. Voilà. Et on peut guérir Tauren. Mais alors c'est quoi? On peut sauver la région. Mais c'est quoi le problème? Tu ne t'enfuiras jamais de ça, monstre. Oh, mais Damien, je l'ai déjà fait. Avec un peu de propagande. Avec une faute, j'ai déjà tout Tauren sur mon côté. Oui, tout le monde dit, genre, oui, l'augure, il est trop fort et tout. C'est pour ça que je ne peux pas vous laisser parler de ma vraie identité. De toute manière, personne ne vous croirait, mais c'est un risque que je ne peux pas prendre, effectivement. Soupir! Allez, si Damien meurt, vous vous rappelez que j'ai pris l'histoire sombre. Donc, s'il meurt, il veut capturer Rayquaza. Ok, il pourrait être omniprésent, omniscient et omnipotent. Eh ben dis donc, il pourrait créer une utopie libre de guerre et de crime. Je ne serai pas le quoi, enfin le lâche qui était le premier augure. Tous les criminels doivent être détruits, sauf moi, évidemment. Ça fait un peu délire mégalomaniaque dans le dernier Captain America. J'ai fondé le Skycult, oui, d'accord. Et on a accumulé tout ce dont on a besoin. On va pouvoir sacrifier. Sacrifier! 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 Qui sacrifie Damien? Oui. Oui. Non, 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 non. Oui, voilà. Voilà. Vu que ces enfants sont là, pourquoi on ne le sacrifie pas? Oui! Sacrifie Damien! Damien! Après ce que Fifou m'a fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Ah oui, bah c'est moi le mec de Pokémon Zeta Omicron. Il a essayé de te sauver. Ah non. Oh, Fifou.
Je vais te donner une chance à fighting. Ok. Ah mais j'étais pas prêt. Ok. Merde. Non mais attends, mais en plus il y a des Pokémon de type volet dragon. Moi j'ai lead avec mon... Oh, il a une petite... 6 Pokémon, mon dieu, c'est des... S'il pose les pièges de rock, je rigole. Heureusement j'ai Anus, hein. Allez, c'est parti. C'est parti, les amis. Ah, toxique dans ton cul, connasse. Anus, attaque suppositoire. Ah, il s'attendait pas au suppositoire. Ah, le suppositoire. Oh, il a posé les pièces de rock, c'est bien ce que je disais. Ok, full restore, d'accord, tu triches. C'est ton style, voilà. Allez, il n'y a plus d'armure. J'ai pas de tour rapide. Mon dieu, c'est de la stratégie, là. Kingdra. Ah, les pièges de rock, c'est trop cool. Allez, Calm Mind, c'est parti. Ok, coup critique évidemment. Il fallait que ce soit un coup critique le premier tour. C'est pas grave, ne vous en faites pas. Nous avons des hyper potions, j'en ai acheté plein. Ok, on va la voir. Voilà, super. Calm Mind, c'est parti. On va re-soigner au cas où il remet un coup critique. Ah ! Allez. Technique de fourbe, mais technique quand même. Il est tellement foutu. Oui, si tu veux. J'attends qu'il ait plus de hydrocanon et on y va. S'il a utilisé 4 hydrocanons là, on est bien d'accord. C'est des techniques de fourbe, mais en même temps le mec veut me sacrifier. Je suis désolé, si vous aussi on essayait de vous sacrifier, vous feriez la même chose, je pense. Allez, voilà, coup critique encore. Hein. Allez, c'est bon. Tu fais quoi contre ça? Tu fais quoi contre Anus? Psycho Boost. Oh, il veut prendre l'attaque la plus puissante de type psy de la Terre. Ah ouais, mais en même temps, Psycho est tellement plus fort. En fait, Psycho Boost, c'est fort en aventure, mais j'ai peur que ce soit pas... Que ça... Bon, de toute manière, j'ai la CT Silverwing, donc je vais lui apprendre. Sinon, je sens que je vais me faire un... Ah ouais, Neuvern. C'est bon, ça tape sur le spécial Neuvern aussi. Get wrecked, son, avec tes Pokémon Dragon. Ouh, focus sèche. Flambusard, oula, alors là par contre, 1. Oh, je suis mort. I'm so dead. Non, je suis pas mort parce que. Anus! Ah, mais attends, j'ai toujours pas méga évolué, on est d'accord? Mais non, j'ai oublié de méga évoluer! Bon, attends, on va méga évoluer. Ah, bah non, je peux pas méga évoluer si je me soigne. Bon, c'est pas grave. J'ai complètement oublié de méga évoluer. Bon, dans l'absolu, c'est pas trop grave, là, mais quand même. Voilà, c'est bien le méga. Il va faire retour, c'est ça? Il va me spammer des retours. Oh, il est moche. Non, ça va, Hyper Voice. Hyper Voice qui ne fait pas de bruit. Allez, c'est parti. C'est l'heure de la méga évolution. Anus! Méga évolution! Anus! Anus! Ah ouais. Ah ouais, il est tellement laid ce Pokémon, sérieusement. Qui a designé ce truc? C'est horrible. Et Altaria, on dirait qu'il a mangé des tacos, tu sais. T'es mort. C'est fini. C'est fini, Kaiba. Tu t'es fait sweep par un Anus. Et excusez-moi, mais c'est un peu la honte quand même. Coup critique, mais je m'en fous. Et voilà! Allez, Scorvol! Il avait une team strat, presque, hein. Attends, si, il avait Altaria, Scorvol, c'est que des Pokémon overused. Flambusard, c'est un Pokémon overused. Hermio, c'est un Pokémon overused. Il avait que des Pokémon super puissants. Voilà. J'ai perdu. Je n'y crois pas. Ah bah, alors là, tu t'es fait laminer. Je n'ai même pas sorti un autre Pokémon. Vous savez que
vous rendez compte quand même que ma team est cool, mais la puissance d'un Pokémon avec plénitude dans le jeu, c'est magnifique. Tu mets le Pokémon avec plénitude, comme le dresseur adverse ne va jamais switch. Hein, t'as juste à placer le mec avec plénitude, et puis tu mets des plénitudes, et puis à la fin, bah, tu te fais toute la team comme ça. Je peux pas te sauver, j'ai fait une promesse. Voilà. Je suis désolé, et à plus. Ah, c'est lui qui a été sacrifié. Il a été mis dans une boule verte. D'accord. Je vois une région remplie d'amour. L'amour, c'est beau. Dans la vie, l'amour, il faut s'aimer. Si tu t'aimes, tu capturerais Quesa. Et l'amour, c'est vraiment trop bien. Ouais, 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 on s'aime tous ici. Ouais, ouais, je sacrifie mes amis. Par amour pour la vie. Wouh! Chaque sacrifice n'était pas en vain. D'accord. Tu peux me suivre sur le toit. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, c'est un cristal magnifique, n'est-ce pas? Toi, moi, le cristal, sur une plage, à Ibiza. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais je sais que tu es venu pour mon cœur. Il est en train de me draguer! Il faut me croire, hein. Si vous ne comprenez pas l'anglais, je vous fais une traduction pile poil. Attention. Tu sais, Fifou, depuis que je t'ai vu, ça fait un an que je t'ai vu et que je te trouve très beau. Et je voulais te dire, je voulais attendre que nous soyons tous les deux. Et je voulais te dire que tu étais aussi beau que du cristal. Je marche doucement avec ma queue de cheval au vent. Et tu sais, Fifou, quand je vois ton chapeau caca, je te trouve très attirant. Ça me rappelle que nous venons tous finalement d'un caca. Car le caca donne vie à l'arbre, qui donne vie à l'animal, qui donne vie à l'homme. Ouais. Fifou, je voudrais te dire que mon cœur est en feu à côté de toi. Et sache que mes points d'amour sont très très forts. Tu es comme le cristal et le soleil, mille soleils dans mon cœur. Oui, Fifou, vérité, tout ça pour te dire que je t'aime. Je t'aime tellement, je marche au vent. Et je t'aime tellement que je vais invoquer Rayquaza, même si ça n'a aucune logique. Et essayer de te tuer avec Rayquaza. Excusez-moi, c'est plein d'émotions pour moi parce que il m'a fait une déclaration d'amour et... Oui, bah oui, c'est bon, ça fait ça. Oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ah! Ah, Rayquaza. Alors, non, attendez. Je vous fais un petit résumé. En gros, il a dit le cristal est une source de pouvoir illimité, que ça a le pouvoir de milieu de soleil, et que s'il l'avait en sa main, il pourrait contrôler eh ben, plus ou moins toute la Terre. Voilà, hein, c'est pas très intéressant. Un délire mégalomaniaque d'un méchant, bon, on a l'habitude. Voilà, tous ensemble, le monde peut être à nous. Je préférais la version amoureuse. Voilà, tu seras mon focus. Tu vas utiliser mon énergie infinie, oh là là, et on va créer une utopie, il n'y aura pas de crime, ni de haine, pas de guerre, pas de révolution. On dirait Madara dans Naruto. Perfect Tsukuyomi. Hop, voilà. Bah, il va me défier du coup. Bah allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Oh, je suis un insurgent. Je suis un insurgent, je... Allez, c'est parti. Rayquaza! Alors, j'aimerais bien voir ton... Qui a fait ce sprite? Un enfant de 3 ans? Oh. Ah merde,
distingué, tu vas devoir mourir. Oh mon dieu, 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 mon dieu. Non, il peut pas mourir parce que j'ai la sauce piquante. Non, 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 non. Oh non. Oula. Oh bah il est con, il a baissé sa défense. Non. Petite sauce piquante. Pourquoi me fais-tu ça? Trop de Pokémon Dragon, donc forcément. Ah, j'en ai mis encore plus que la dernière fois. Au moment où Anus va tuer, va le tuer. Vous êtes prêts? Ah, c'est dégueulasse. Crève Rayquaza. Voilà, méga Rayquaza contre Anus. Aucun match-up. Adieu. Ah. Ah, l'eau c'est pire après. Ah. Mais ça enlève le goût au moins. Ah. Tu as juste été chanceux. Non, c'est juste que Rayquaza a beau être un très bon Pokémon contre un type fée. Je ne ferai pas la même erreur deux fois. Rayquaza, utilise le pouvoir du cristal pour te soigner. Use Icy Wind now! Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Hey Fifou! Ah, j'ai laissé de la glace dans le coin. Est-ce que tu as vu où c'est arrivé? J'ai dit que j'étais désolé. J'aurais dit que j'étais désolé, mais je suis vraiment pas désolé. C'est bien que Rayquaza soit faible à la glace. Hein? C'était pour les... tes mensonges sur la région de Tauren. Et ça, c'est pour essayer de tuer mes amis. Mon ami. Shaymin! Et Shaymin a détruit le cristal. Quoi? Non, le cristal! Tu es con! Oui, il est con, c'est Damien. Est-ce que tu résistes ce que tu as fait? Tu l'as cassé! Une source d'énergie limite, sans limite. Tu es stupide, 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 stupide! Rayquaza, vite! Il faut trouver les pièces. Damien, Fifou, tu t'es fait un ennemi très puissant aujourd'hui. Mais moi, j'ai encore mes Pokémon et lui, il a un Shaymin. On peut t'arrêter, non? Oh mon dieu. Ah non, il s'en va sur le Rayquaza. Je ne peux pas penser que c'était un traître. J'avais dit, j'ai dit depuis le début. C'était mon héros. Ah, ma langue me pique. Ça me fait saliver à donf en fait. Personne ne nous croira. Oui. On a besoin de fight ces cultes tout seul. Oui. Et quand même devenir champion d'âne. Oui. Nous sommes forts. Nous avons les légendaires de notre côté. Je peux ce que nous devons le faire. Il y a cette prophétie dont on aura parlé. J'ai presque oublié. Ah oui! Donne-moi. Le badge! Le badge! Et Arialace. Ça va être pas mal ça pour comme move de coverage pour Cleaver. Je te rencontrerai à la ville du tir. Non! Non, 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 casse-toi. Allez, file, file, file. Oui, la librairie, il y a la prophétie, oui. Allez, hop, 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 hop. Allez, oust. Voilà, merci. Laisse-moi avec mon chapeau caca. Oh, il a trouvé un dollar par terre. On dirait une capote. Un préservatif? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est un préservatif qui a été laissé par Fifou, qui a tellement de succès avec les filles. Je peux sentir le pouvoir de Fifou. Ouais. Allez, Rayquaza. Il faut que tu rentres dans ce préservatif. Ah non, il a été trouvé! Trois petits points, trois petits points.
Je me demande ce que c'est. Je suis sûr qu'Audrey, le leader du culte abyssal, me récompensera bien si je lui montre. Non mais attends, wait. Tu trouves un truc par terre. Tu vas pas... Enfin... Je veux dire, tu trouves une pierre par terre. Tu dis pas, oh là là, je vais gagner de l'argent. Non, je vais pas. Je vais bien m'en servir. Oh mon dieu. Je suis revenu à Helios City. Wouhou! Ah là, voilà. Salut! Voilà, j'ai une pierre spéciale. Voilà, pour les fans. Nous sommes Patoche, mais t'es trop nul. Nous sommes Patoche, mais un sécateur, c'est quand même bien plus cool. Waouh! Et si Zayox... Oh putain, il est trop beau. Ha! Fin du game. Fin du game, les mecs. Ça a été un épisode très très dense. Il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps. Donc on va s'arrêter là. J'espère que vous a plu. Si ça vous a plu, que vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker. J'ai pris que 2 cuillerées de Sriracha. Et vous savez ce qu'on dit. On dit jamais 203. Et donc, avant de vous dire au revoir, je vais m'en mettre une dernière. Parce que je sais que vous aimez me voir souffrir. Donc si vous aimez me voir souffrir, balancez un like. Allez vous abonner à la chaîne Pokémon Trash et à ma chaîne YouTube. Parce que quand même, c'est vachement cool. Allez, tchuss.